Oh putain, je croyais que ce serait que des raptors qui tombent, pas du tout. Encore mieux. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo d'Exoprimal. On joue le tank de base du jeu, parce que j'avais dit que je jouerais. Et si je l'ai pas dit, maintenant vous le savez. Histoire de changer un petit peu, on a un autre tank, on a le samouraï qui est là. On a deux, on a un DPS, et un autre tank. Ah la vache, on est trop à jouer ce tank là, c'est pas terrible. Let's go, on va quand même avancer, on va voir si personne swap, je sois prêt, mais on est trois tanks, c'est pas terrible. Hein. Vraiment pas top. Je pense que les gens ont compris, sans tank on s'en sort pas, c'est vraiment complètement pété, les tanks. T'as raison de regretter, ouais. J'ai pas vu les dégâts que ça faisait les coupes. Ok, 60. Ah ouais, il fait quand même assez mal. Hein. Hop, on peut aussi donc frapper avec son shield. On peut taunt. Frappez-moi. Et ensuite, on leur casse la gueule. Ok, il y en a un qui a swap. C'est bon. On va passer sur un DPS. Bah, en fait, il a quitté, je pense, et il s'est fait remplacer par un bot. C'est surtout ça. Ok. Et puis, attendez, j'ai pris la lame, on va la prendre, zip, voilà, ça calme un peu, mais c'est pas incroyable la lame, hein, en vrai. Et on peut gros, mettre des gros coups de shield, ce qui est vraiment sympa. C'est ça, c'est toujours ici? En bas. Ah, il manque un coup, genre on tombe et on fait trembler le sol, quoi. Zip, donc la lame que je lance qui est vraiment pas dingue. Vos objectifs moins vite que l'équipe adverse. Ah merde, j'étais sûr qu'on était plus rapide. La réponse est non, pas du tout. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, veuillez patienter. Invocation de néo-organes. On est dans la même zone que la game que je viens de faire, que vous aurez vu avant. On record. Ok, on met les grosses mornifles. Gros coup de bouclier. Donc ce qui va être intéressant, c'est vraiment de bloquer hein, de toute manière les raptors, d'aller pousser et que les autres fassent le taf au travers du shield vu que en fait c'est ça qui est vraiment fort, c'est qu'on peut tirer au travers. Pareil, on n'utilise pas trop les constructions pour le moment, mais en vrai on peut construire, alors chaque personnage a son type de construction. On va pouvoir mettre des murs qui sont l'équivalent de ce genre de shield, on va pouvoir mettre des constructions pour être un peu plus en hauteur, ça c'est celle que moi j'ai. J'imagine que ça va pouvoir être modifié peut-être. En fonction de ce qu'on va vouloir paramétrer, ça ce serait bien. Petit coup de shield. Hop, j'ai pas encore tout vu au niveau des constructions. Je sais pas si c'est par rapport à la classe ou par rapport au personnage en lui-même. Ça m'intrigue un peu. Mais... On peut le tuer celui qui est en haut, s'il vous plaît. En fait, il fait que de lui cracher à la gueule et c'est chiant. Voilà. Hop, poète. Hein, et on nous l'a dit qu'il y avait un sniper, hein. Bon, ça, tout le monde s'en bat les couilles, on passe quand même à la suite. Okay. Vous accomplissez vos objectifs moins vite que l'équipe adverse. Et oui, on est bien au courant, monsieur, on est bien au courant. Passons à la mission suivante. Pourtant, ils sont en train de courir, donc moins vite, mais pas grand chose. Hein. C'est assez obscur tout ça, hein, vraiment. Hein. Genre, moins vite, ok, mais d'un coup, tout le monde est mort. Est-ce qu'il y a une barre qui se remplit quelque part que je n'aurais toujours pas vu? Ça, c'est. Ok, alors lui, par contre, il est pour moi. Il est pour moi, tout est relatif. Hop, on jette la lame. Je vois même pas les dégâts du truc. Et si je frappe, ok, ça passe pas du tout. Frappe-moi. Pas envie. Un taunt qui sert à cud. Ah trop bien. Oh merde, j'ai rangé mon shield. J'aurais pas dû. Vas-y, attends, on refait, j'ai trop envie de revoir. Vas-y. Ok, oh là 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 là, j'ai perdu vachement de... Pas du tout. Oh, doucement, calme-toi. Bois frais. Est-ce qu'on peut le tuer s'il vous plaît? Oui bah on fait ce qu'on peut, Trissé il se casse. Putain. Mais putain, tu me casses les couilles.
Ça calme ça, sac à merde. Monsieur Fou, ils sont encore là. Regardez, ils se battent. Nous, on s'en va. Initialisation, on s'en va. Défense de zone, préparation de la zone de merde. Vous devez défendre la zone indiquée. Rendez-vous dans la zone okay. À proximité du repère et défendez-la. L'équipe adverse. C'est parti. Je vais envoyer un néosaure déclencheur. Non, si non, tu n'en vois rien. Si vous arrivez à battre ce dinosaure, l'équipe adverse devra ajouter. Vas-y, on les laisse pas avancer. Faites-en votre priorité pour reprendre la main. Défaite du néosaure déclencheur confirmé. Vos scores individuels détermineront la puissance des dinosaures augmentés attaquant l'équipe adverse. Ok. Progression de la défense de zone. Si nos scores individuels dépendent du machin du truc, on va tuer des trucs, hein. Avec des machins. Et genre, ouais. Ok. Invocation de néosaure. Progression de la défense de zone, 50%. Le score total requis pour une augmentation d'hostilité a été atteint. Ok. On va venir là. Ça soigne là, c'est si je me bats. Oh merde, aïe. La période d'intervention est terminée. Invocation de néosorgasme. Progression de la défense de zone, 75%. Mais c'est bon ça. Vas-y, on les tue, ils explosent pas comme ça. Non. Invocation de raptor. Ok. Il y a quand même des belles animations sur pas mal de trucs. C'est ça qui est un peu dommage. Hein. C'est que on sent qu'il y a des choses. Mais qu'il manque aussi des choses. Défense de zone. Vous avez accompli comment vos objectifs moins vite que l'équipe adverse. Ah, dommage. Suivez le getter. Passons à la mission suivante. Ah bah il y a un autre tank. Il a changé. C'était celui qui était avec le samouraï. Il a changé avec le sulfate. Quand même un peu la classe. Il y a vraiment, ouais, il y a vraiment un truc dans ce jeu. Il y a des trucs. Ah, trop bien. Ça, c'est rigolo. Voyez ce redoutable dinosaure comme une opportunité de développement personnel. Et j'aime beaucoup cette phrase. Allez. Et attention, c'est parti pour la direct dino. Merci d'avoir choisi Agus sur notre itinéraire premium de Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe ? Essaim de pteranodon dans le ciel au-dessus de la route. Turbulence. Oh putain. Je croyais que ce serait que des raptors qui tombent. Pas du tout. Encore mieux. Ah, c'est trop bien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Progression de la défense de zone, 25%. Ok. On doit défendre une zone par de trucs qui volent. Bon, alors bien sûr, on peut swap. Donc il faudrait que je swap. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, la musique, elle donne l'impression qu'il va se passer un truc hyper grave. Progression mais... de la défense de zone, les voilà. Oh, oh putain, je me suis tué. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, pas le temps de niaiser. Je me fais arriver instant, trop bien. Mais alors pas le temps. Oh la vache, le rush. Faut que je reste avec le shield en fait. C'est trop bien. Il y a vraiment un... Alors ça par contre, j'aime beaucoup trop. T'as vraiment l'impression que c'est la galère quoi, enfin, qu'il y a du monde et tout. Progression de la défense de zone, 75%. Il y a cet aspect un peu aléatoire de l'événement qui va se passer dans la game, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment très cool. Et ça, il y a vraiment des idées incroyables dans ce jeu. Vraiment incroyable, je trouve que le mot est juste. Et des trucs pas terribles, et il va vraiment falloir qu'ils bossent pour que les trucs pas terribles soient gommés et que l'incroyable reste. Surtout qu'on est sur du multi, si demain il n'y a plus personne dessus, bah c'est foutu quoi. Enfin, comme tout jeu multi bien sûr, mais... Voilà, un jeu comme ça qui fait des... Qui... Un peu comme Wild Arts, un jeu comme ça qui fait des petits... Bon, bah ça annonce du bon quoi, tu vois. Vous allez entamer la dernière mission. Ok. Préparez-vous pour le voyage interdimensionnel et le combat à venir. Et là, je comprends pas en fait. Est-ce que ça TP les autres même s'ils ont pas terminé leur objectif? La dernière mission a pour nom de code assaut Omega. Récupérez le marteau avec l'aide de votre équipe, puis éliminez des dinosaures pour le recharger. Rechargez le marteau au maximum et utilisez-le pour détruire la cible. Ok, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que. On va ramasser le marteau. Invocation de raptor.
équipe adverse est entrée dans cette dimension. Ok, 5%. Restez bien sur vos gardes. Je sais pas ce que vous voulez que je fasse avec ce marteau. En plus, ça augmente bien chez nous là. Pas en face, je sais pas ce qu'on va faire. En vrai, je suis un peu perdu là. Je sais pas ce que je dois faire. Est-ce qu'il y a l'équipe adverse quelque part? Ok, ça dégage. Donc je pense qu'ils doivent me cover pendant que j'ai le marteau. Et que en face ça doit être pareil, mais on sait pas où ils sont. Oh. Ça va peut-être être le moment d'ulti. Let's go. Putain, c'est trop bien. Dégage. Ok, donc le marteau est prêt, je crois. Où est-ce qu'il faut que j'aille le foutre? Là, ok. Poussez-vous. Frappez. Ok, on a fait le premier point. Ok. Ah ouais, sympa comme objectif, ok. Les autres, ils ont mis 10 plombes à prendre le marteau, on voit. Il a à peine commencé à... Quoi? Un T-Rex, ça arrive? Ah, c'est ça, là? Ok. Tiens, c'est que merde. Frappez-moi! Non, je rigole. Je shield. Je me fais bien heal en fond aussi, donc ça passe bien les shields que je fais. Mais et encore vachement de vie le T-Rex. Oh putain. Tu vas prendre ça, mon pote. Tu vas prendre ça, tu vas te calmer. Je comprends pas bien qu'est-ce qu'il faut faire pour que le shield, pour que le marteau se recharge plus vite. J'ai l'impression qu'il faut frapper. Parce que là, j'ai pas fait beaucoup de points. Oh bah c'est bon, d'un coup, 27% à 100%, ok, let's go. On y va, cover me. Ah putain, ça passe pas, j'ai pas de cover, ça va péter. Parfait, final, let's go. Non, tu attribues rien du tout, t'arrêtes de faire n'importe quoi. Donc il va pouvoir invoquer en face un gros dino et le contrôler. Zip, ça m'évitera de prendre des dégâts par contre. Il faut impérativement que le heal me rejoigne. Hein. Le heal t'es où? Venez-moi. Attention. Yes, merci. L'équipe adverse a activé un dominateur. Un dinosaure contrôlé par l'ennemi est en arrière. Et voilà, ok. Hop, voilà. Oh putain, on lui a éclaté la gueule, le marteau, là. Il a eu super mal. Il prend beaucoup plus de dégâts que le dino qu'on a eu tout à l'heure. Fait que de frapper en avançant. Ok, monsieur. Vous avez l'air vénère, mais ça suffira pas. Vous comprenez bien. Putain, il a tué 3 de mes mates. Ok, ça suffira pas, mais ça fait quand même très très mal. Ah putain, c'est bon, je l'ai eu. Ou pas, je sais pas. Ah, il m'a eu. Ah, le bâtard. Ah, le gros bâtard. Ok. Putain, c'est chaud quand tu te retrouves tout seul. Bon, là, ils sont au point B, donc ils ont encore un peu de retard. C'est bon. Quand tu te retrouves tout seul, ce merdier, t'as le marteau, tu te dis juste, ok, comment je vais m'en sortir de cette merde? Ça met 10 ans à respawn, putain, t'es sérieux? Bah, faut que je ramasse le marteau. Personne n'a repris le marteau? Oh, les mecs! Maintenant dans le coin. Ah sérieusement. Allez, j'arrive, mais Go. Ils doivent péter le point B, ils galèrent à péter le point B en face, on voit. Allez go. Invocation de Raptor. Allez-y. Yes. Allez, j'ai pas besoin de taper en fait. Ça augmente en fonction des gens qu'on tue.
L'équipe adverse est entrée dans la dernière zone. Hop, ça, ça cligne bien. Ah oui, d'accord, mais maintenant, c'est le merdier. Putain, dommage. Dommage, enfin dommage. Ok. Invocation de Néo-Zorgasme. Invocation de Néo-Zorgasme. Il va me falloir de l'aide. Oh putain, yes, le healer qui revient. Oh putain, le coup de marteau qui est pas sorti. Le coup de marteau qui sort, yes. On y est presque, on y est presque, on y est presque. Vas-y, on tente. On se fait frapper, mais on tente. On donne tout. Arrêtez de me taper. Putain, ça cancel dès qu'on se fait taper. Enfin, ça cancel à 100%. Oh, je suis mort parce que le heal, il m'a pas cover. Ah, oh, nul. Il m'aurait full focus, c'était ok. On va galérer. Je pense. En plus, je me fais pas revive. Et là, on perd vraiment un temps incroyable. Ça veut dire qu'il va falloir aller chercher le marteau à la main. Enfin, bien sûr, vu qu'on va pas le porter avec les pieds, bande de cons. Mais j'imagine que quelqu'un l'a pris. Yes, ok, let's go. Allez, on y va. On revive le mec. Go. Ok, il est mort. Il est où le mec avec le bouclier? Vas-y. Mets un coup de boucle. Pas un bouclier, un coup de marteau. Et on gagne. Exercice de combat terminé. Vous avez réussi à accomplir. Trop simple. Je pense qu'il y a un côté très frustrant sur le dernier chapitre, parce qu'il y a vraiment à quoi bon nous casser les pieds avec tout ce qui se passe avant si c'est pour que il se passe ça à la fin, en fait, qu'il y a vraiment le moment où tout peut être changé parce que on se retrouve face à l'équipe adverse. À voir, je pense que c'est qu'une question de mode de jeu, donc en fonction du mode de jeu qu'on aura choisi, bah, tout va changer aussi, sans doute. Ça va être plein d'interrogations qui trouveront réponse quand le jeu sortira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis pensez à t'abonner, bien évidemment, et on se retrouve dans la prochaine game. Allez, salut!